Je dois te laisser, je te rappelle. Je t'embrasse. Cabaret de Toscane. Excellent choix. Vraiment, je t'amène en Italie. Il y a tellement d'endroits superbes pour explorer, déguster. On pourrait même y fêter notre premier anniversaire. C'est vraiment magnifique ce soir. Merci. Ils sont jolis courts. Ça fait ressortir tes yeux. Arrête, tu vas me faire rougir. J'ai vu une étude qui disait que 60% des hommes étaient plus attirés par les femmes aux cheveux courts et à la nuque dégagée. Depuis quand vous vous intéressez à autre chose qu'à nos seins et à nos fesses? Autrefois, au Japon, le coup dénudé, c'était le comble de l'érotisme. C'est pour ça que les geishas portaient des kimonos décolletés dans le dos, qui laissaient entreapercevoir leur première vertèbre. Nous, les Occidentaux, on n'a aucune imagination. Crois-moi, la coupe courte, c'est la mini-jupe du 21e siècle. La mini-jupe du 21e siècle. Si j'avais su, je les aurais coupées plus court. Et qu'est-ce qui plaît aux femmes, à ton avis? Les femmes aiment être considérées. Autant par le kidam que par leur amant. En réalité, je pense qu'il n'y a rien qui excite une femme plus que de se retrouver l'objet de l'attention d'un inconnu. Un anonyme sur lequel elle peut projeter tous ses fantasmes, toutes ses envies. Quel genre de fantasme? Le fantasme de celui qui rentre brusquement dans sa vie. La séduit. Il disparaît aussitôt. Sans même qu'elle puisse s'en apercevoir. Ah, bonsoir, mon amour. Désolé, hein, j'ai fait au plus vite. Il voulait pas me laisser partir au bureau, je pensais que j'y arriverais jamais. C'est pas grave. Quoi? C'était la première fois que vous lui parliez. Je viens de vous le dire. Je l'ai jamais vu. Je l'ai simplement vu assis seul à une table et... j'ai pas pu m'empêcher. Très bien. Et qu'avez-vous fait le lendemain? Une journée comme les autres. Je suis allé au bureau. Hello. Hello. Ça n'a pas l'air d'aller. Attends, je sais plus quoi faire. Je suis en train de partir en vrille sur cette réunion. Si j'ai pas quelque chose de solide avant 11h, Ignace, il va me massacrer. Hein. Je t'enverrai 3 questions. T'auras qu'à les répéter. Quoi, t'es sérieux? Non, un seul sucre. Merci. Allez, boulot. On se voit à la séance de rédac cet après-midi. Comment va Paolo? Comment tu sais? Faut être un peu plus discret quand tu l'appelles en Italie au frais de la princesse. Tu serais pas un peu jaloux, toi? T'inquiète, ça restera entre deux. Joli foulard aujourd'hui. Assorti à ton collier.
Voilà ton courrier. Merci. Pour la séance de rédaction, Ignace voudrait que ce soit toi qui présente la une de demain. Je lui ai dit que tu acceptais avec plaisir. Sinon, il y a eu un homicide la nuit dernière. Apparemment, un notable de la place. Je t'ai imprimé les communiqués de police, ça devrait t'aider. Merci. Je m'en occupe. Qu'est-ce que je ferais sans toi, hein? Un burn-out, probablement. Et ça ne m'intéresse pas. Avec qui avez-vous mangé? Personne. J'ai pris un sandwich et je me suis dirigé vers le parc. Seul. Une fois arrivé au parc, je me suis assis et j'ai mangé. Pas parler. Admettons. Et votre après-midi? Le focus culturel et politique, on aura fini pour mercredi avec la presse. Voyez-vous, l'intérêt bouleversant des livres, c'est qu'ils ne se contentent pas de restituer la vie. Si ce n'était que ça, ils ne seraient pas des œuvres d'art. Ils la transforment, ils la refont, ils la recréent. Il y a quelque chose de la rivalité avec le créateur. Je pense que les artistes sont des dieux talentueux. Et puis les livres, c'est pas simplement ce qu'ils vous disent, c'est aussi ce que... À l'occasion des pages, ils font naître en vous. Vous les prolongez. Vous êtes l'écriture ou le son de leur écriture. C'est peut-être aussi comme ça avec les êtres. Si vous deviez rencontrer tel ou tel aujourd'hui, je suis bien convaincu que ce n'est pas ce qu'il est qui vous importe. C'est ce qu'il vous paraît être dans votre volonté qu'il soit. C'est ce qui se prolonge en vous de lui-même. Et c'est peut-être la part de son identité que votre propre manipulation aura altérée. J'imagine que lui aussi, vous ne le connaissez pas. Vous n'allez pas me croire, hein. Maman. J'avais juste envie d'écouter ce qu'il avait envie de partager. Après ça, je suis entré chez moi. Je m'en souviens très bien, il était 21h pile. Je me suis fait un super petit plateau télé. Club sandwich 6 étages, la totale. Et je me suis rouvert un vin de Toscane de la veille, un cabernet.
J'adore ça. Et j'ai vu un film sur la 2. Une comédie, là, hein, de ces nanas ricains, là, comme on fait plus, là. Il y avait ces deux acteurs comiques, comment ils s'appellent? Ouais, le beau blond avec le menton glabre, là, et la brute avec la barbe. Terence Hill et Bob Spencer, voilà. Pas vous le répéter 40 000 fois. Ces gens-là, je ne les connais pas.